À Saint-Goizec, le château de Trévarez ouvre ses jardins aux artistes Shigeko Hirakawa et François Méchin. Les deux créateurs ont imaginé des œuvres qui évoquent, selon eux, le lien entre les hommes et la nature. C'est ce que nous rappellent François Méchin et Shigeko Hirakawa, à savoir que l'homme n'est peut-être pas le plus fort et que s'il n'a pas plus de respect pour son environnement, pour la nature, pour les ressources naturelles, son destin risque d'être bien menacé. L'objectif de Shigeko Hirakawa est de rendre visible ce qui ne l'est pas. À Trévarez, elle a travaillé sur le thème de l'eau. Empreinte sur l'eau, c'est un thème écologique. Et on peut parler de l'eau, l'eau consommée par l'être vivant. Et surtout, ce que vous voyez derrière, c'est la quantité d'eau et de 55 mètres cubes qui est équivalent à la consommation d'eau domestique. De son côté, François Méchin veut surprendre les visiteurs. L'artiste nous fait réfléchir par ses perspectives, ses symboles monétaires et sa cage. C'est toute une réflexion sur l'histoire du lieu et en particulier des anciens propriétaires dans les années 1850 qui ont été des agronomes avertis. Et à travers l'histoire du lieu, je pose la question aujourd'hui de l'agriculture contemporaine et de la façon dont elle peut œuvrer. Pour ce jeune château à peine centenaire, cette exposition mélange à la fois tradition et monde contemporain. Les œuvres des deux artistes visent à remettre la nature au premier plan. À découvrir au château de Trévarez jusqu'au 16 octobre.